observation prudente, le coup de génie tout simplement de Yann Kermorland qui arrive dès la 9e minute. Ça n'a pas besoin de commentaires. Onzième minute, coup franc pour le Stade de Reims, on est plein axe, 20 mètres, Yann Kermorland trompe Richard Trivino. On joue depuis 11 minutes et le Stade de Reims mène déjà 2-0 face à Boulogne-sur-Mer. C'est Yann Kermorland réussi la lunette, 1-0, ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Rouges et Blancs. Pénalty pour une faute sur Yann Kermorland. Le numéro 18, Stadiste, transforme et redonne de l'espoir au Stade de l'Aune. Les Rémois sont encore menés 3-2. Vlasevic, le coup franc pour Yann Kermorland et c'est dedans. Vedran Rungier n'a pas bougé du tout. Le Stade de Reims égalise au bon moment, juste avant la pause. Magnifique coup franc, pleine lunette et un but partout. Il lui rend le centre et Yann Kermorland de la tête marque le quatrième but du Stade de Reims, 4-1. Nouveau but, dernier qui remet sur Kermorland, exécution ultra rapide, le gardien Florian Bach ne peut absolument rien faire de cette guerre, 2-0, Onzième minute, le Stade de Reims continue de se rendre le match facile. Capitaine Yann Kermorland régale tout de l'Aune. 2-0. On joue depuis seulement 11 minutes.